Alors, bonsoir à toutes et à tous, Michel pour le directeur Web TV. Je me trouve au 136 route nationale à Beaumont en Cambrésie. Pourquoi ? On va vous le dire dans quelques instants. Je suis avec Laetitia. Bonsoir Laetitia. Bonsoir. Alors, vous venez d'ouvrir une friterie. Pourquoi une friterie ? C'était un projet que j'avais avec mon père il y a plus de 12 ans, on va dire même 14 ans maintenant. Et ça ne s'est pas fait parce qu'on ne trouvait pas ce qu'on voulait. Moi, je suis partie dans les ambulances, donc j'ai fait 12 ans d'ambulance. J'ai perdu mon papa en 2022. Il était très connu dans le coin parce que c'était un forain aussi. C'était Claude Lanciot et il est décédé. Donc cette année, en début d'année, j'ai eu l'opportunité de pouvoir trouver ce qu'on cherchait à deux. Donc je l'ai fait et j'ai mis son nom sur la friterie. Donc petit Claude, c'était son surnom. Ok, c'est juste la question que j'allais vous poser juste après. Quelle particularité vous pourriez dire que vous faites dans votre friterie ? Beaucoup de steak maroilles. C'est du steak frais, de la boucherie d'Inchy. Et le maroilles est fait maison. Alors quand on mange un comme ça, on n'embrasse plus personne pendant quelques jours. Ah ça, je ne sais pas. Et à part le steak maroilles, vous proposez quoi dans la friterie ? Beaucoup de saucisses, merguez, des brochettes de poulet, bœuf, des pains pizza, des panini, des menus enfants. Je voulais faire des menus routiers, mais le problème c'est que le maire m'interdit à ce que les poids lourds s'arrêtent sur les trottoirs. Donc je ne sais pas comment ça va se faire. Moi je propose que les routiers m'appellent et qu'on les livre un peu plus loin. Donc on verra ce que ça donne. C'est vrai que vous avez de tout nouveaux trottoirs, ils sont magnifiques. Hein. Oui, mais bon. Alors je ne veux pas défendre le maire, mais je crois que c'est pour la solidité des autobloquants, je crois que les roues des routiers sont assez lourdes. Hein. Oui, mais après ça concernait les routiers, après tout ce qui est ouvriers, les pompiers, j'ai les gendarmes qui viennent aussi. Donc tout ce qui est travailleurs, quoi, ça ne concernait pas spécialement les routiers. Donc le menu s'appelle menu routier, mais ça concerne beaucoup de monde. Bon, un ouvrier peut s'arrêter avec sa voiture. Alors vous êtes ouvert quel jour et à quelle heure ? Alors tous les jours, tous les midis, de 11h30 à 14h. Et tous les soirs, de 18h30 à 22h en semaine et 23h minuit le week-end. Alors là vous êtes fixe, mais je vois qu'il y a des roues. Est-ce que vous allez vous promener dans la région après ? Oui, oui, c'est prévu. On a déjà fait le bal trap d'Archi. Demain, on fait les Olympiades au trèfle d'argent de Le Cateau. Et on est déjà appelé pour faire des événements familiaux. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. On peut vous appeler pour un baptême, une communion, tout ce qu'on peut faire à l'extérieur et s'il fait beau. Oui, oui, oui. Oui, c'est prévu qu'on se déplace. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Oui, on est sur Facebook. Avec le même nom que la friterie ? Oui, oui, oui. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Je vous laisse le mot de la fin pour inciter les gens à venir déguster vos frites. Bah de venir goûter parce que c'est du steak frais, du pain frais de chaque jour. Donc bah, je vous attends pour goûter. Ah, n'hésitez pas, je vous redonne l'adresse. C'est 36 route nationale à Beaumont, Cambrésie. Si vous avez des amis qui habitent le secteur et qui n'ont pas Facebook, ça peut arriver. Vous leur dites bien que ça sera retransmis sur le www.ledirect.webtv.fr. Et ce soir, on sera sur notre chaîne YouTube en haute définition. Et puis moi, je vous souhaite bon courage. Merci.